Hey yo les potos, c'est l'équipe OKLM Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, comme d'habitude, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter ce qui est sorti dans la boutique du 10 janvier 2020 de Fortnite Battle Royale. On va commencer tout de suite les potos par la gardienne de bétail avec sa petite sacoche en cuir pour 1200 V-Bucks. Ensuite, on a une nouvelle pioche, la pioche éperonnette pour 500 V-Bucks. Ensuite, on a un nouveau skin, les potos, le gardien du troupeau, avec son petit sac de chevauchée pour 1200 V-Bucks, vraiment stylé. Ensuite, les potos, on a encore une nouvelle pioche, la hache multifonction pour 500 V-Bucks. Ensuite, on a le retour du mitrailleur fluo, avec son petit sac fluo pour 1500 V-Bucks. On a également le retour de la masse fluo à 1500 V-Bucks. Le dirigeable fluo pour 1200 V-Bucks et le retour très attendu, les poteaux de terreur fluo. Alors là, je sais qu'il y en a plein qui vont être contents de voir ce skin aujourd'hui dans la boutique. Ensuite, les poteaux, on a le retour de Typhon avec ses deux variantes pour 1500 V-Bucks. On a également le retour de Solaire avec ses petites ailes solaires pour 1200 V-Bucks. Un petit camouflage tissu à carreaux pour 300 V-Bucks et on a trois émotes les potos. La première émote, c'est l'émote jeu de jambes. Ensuite, on a l'émote harmonie et la dernière émote les potos, c'est extraterrestre. Bon bah voilà, j'ai rien de plus à ajouter pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à utiliser mon code créateur Link59H dans la boutique de Fortnite, ça me fera extrêmement plaisir. C'était l'équipe OKLM Gaming, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Attends, attends, t'en vas pas comme ça, poteau. Si tu veux t'abonner à la chaîne, je t'invite à cliquer sur ma grosse tête au milieu. Et si tu veux me découvrir dans d'autres vidéos, je t'invite à cliquer sur une des deux.